Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On arrive au numéro 13. Donc aujourd'hui, on va voir le bouclier, le frein du bouclier. Et en fait, cette vidéo, je l'ai coupée en deux parce qu'elle était trop longue. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, la vidéo va être coupée en plein milieu. Et dimanche prochain, on aura la version finale du bouclier. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Dimanche prochain, ce sera la version 14, enfin l'épisode 14 de ce Vexillarus. Et on arrivera à la fin. Et donc le 15e, on fera un debriefing total du début à la fin avec toutes vos questions, etc. Et voir si depuis toutes ces semaines, vous avez tenté de faire quelque chose par rapport à ce que vous avez vu dans ces vidéos. Enfin bref, on en reparlera. Je mets ma tête. Alors. Voilà. J'ai une bonne nouvelle. J'ai reçu l'appareil que je voulais pour les lives. Et j'ai fait un rapide test hier. Et ça marche. Donc, on va pouvoir démarrer les lives peinture bientôt. Du coup, aujourd'hui, on est le dernier dimanche du mois. Et normalement, on aurait dû faire l'apéro peint live. À partir de maintenant, l'apéro peint live tel qu'on le connaissait depuis un an et demi n'existera plus. J'appellerai l'apéro peint live. Les séances de peinture live que je ferai. Donc voilà. Et on continuera tous les dimanches à mettre une vidéo non live, mais comme celle-ci. Bah écoutez, je vous lis en même temps, donc j'ai changé un petit peu ma configuration. J'ai mon appareil toujours, le Stream Deck. J'ai modifié, donc je peux voir le nombre de spectateurs qu'on est, si la connexion est bonne, et je peux vous lire en même temps. Donc c'est top. C'est vraiment top. Au fur et à mesure, de semaine en semaine, les choses avancent. Je remets la photo du Vexillarus et on va attaquer la vidéo, si vous êtes d'accord, si vous êtes prêt. J'espère que vous êtes prêt à regarder ce free-end. Donc ce free-end va être pareil que sur celui du Fanion, c'est-à-dire à main levée avec directement de la peinture. Allez, j'envoie l'intro. Allez, c'est parti, nouvelle palette, nouvelle séance de peinture. Je sors du noir. Du vert, toujours le même vert. C'est le conseil que je vous ai donné la dernière fois, c'est. Si vous êtes sur une figurine et que vous avez sorti, je sais pas, 5, 6, 7 peintures pour la séance, essayez de les mettre de côté, de les laisser sur votre établi pour la séance suivante. Comme ça, vous savez que vous utilisez certainement le même vert, le même marron, etc. Bon, l'avantage que j'ai, c'est comme j'ai pas beaucoup de peintures, ça me permet de facilement retrouver le même marron que j'utilise. En fait, le but, c'est de vraiment utiliser. Plus ou moins toujours le même marron, toujours le même rouge, le même vert, parce qu'à force, comme on a vu sur le nuancier, etc., on s'habitue aux couleurs. Donc, on s'habitue au rendu des mélanges, etc. Donc, c'est vraiment important de garder à peu près toujours les mêmes couleurs. Même si on peint une figurine historique, une figurine fantastique, et puis tout d'un coup, on peint une autre période, etc., ça n'a aucune importance.
Jean-Daniel qui nous dit que j'ai bien avancé, enfin lui, il a bien avancé sur son buste. Il fait des photos pour avoir un avis sur son premier buste. Ben écoute, Jean-Daniel, tu nous le posteras sur le groupe La Tribu d'Anna. Donc là, je prends du blanc pur. Alors c'est un blanc qui est assez épais, donc je vais le diluer relativement normalement pour pouvoir dessiner sans que ça fasse crayeux. Mais si c'est un blanc en pot qui est déjà dilué, vous n'aurez peut-être pas besoin de le diluer beaucoup. Salut Mika. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez sur la photo, il y a des feuilles de laurier. Donc, avant de dessiner les feuilles une par une, je dessine un trait où je vais délimiter là où le laurier, je pense qu'il va démarrer et là où il finit. Donc, je fais ça au pifomètre, comme on avait dit la dernière fois. J'essaie de trouver le centre. Bon, c'est vrai que vous avez l'habitude maintenant, je suis un diesel quand je démarre la peinture. Et démarrer directement avec un freehand, c'est pas la chose la plus judicieuse pour moi. Donc là, une fois que j'ai fait le trait, je commence à simuler l'épaisseur des feuilles. Même si je ne les dessine pas une par une. Alors, c'est toujours pareil, en peinture, on commence par le travail. Le grand travail, le travail grossier, et ensuite on fait les détails. Donc je ne peux pas attaquer les feuilles une par une parce que je risque de me retrouver avec un décalage ou trop vite limité en fait. Là je regarde le feuillage d'ensemble. Je corrigerai la taille, comme j'ai fait pour le taureau, je corrigerai la taille, les dimensions, etc. Et puis après, j'attaquerai les détails. Bonjour aux retardataires. Nico, Rémi. Voilà, là je commence à mettre le bout des feuilles. Je me rends compte qu'il faut rajouter une paire de feuilles de plus, voire de plus même. Alors, petit détail qui a son importance, le bouclier là, il est tenu par la courroie sur l'épaule. Et en fait, si on regarde l'intérieur, la poignée qui permet de tenir le bouclier face à l'ennemi pour se protéger, la poignée fait en fait que le bouclier là, tel qu'il est posé là, il n'est pas en fait droit. Voilà, il devrait être comme ça, comme on voit là à ce moment. Ça, c'est le haut, le bas, tel que le bouclier devrait être. Donc en fait, il faut faire très attention. Souvent, les gens peignent le bouclier
comme s'il était déjà dans cette position, alors qu'en fait, si on regarde la poignée à l'intérieur, il est décalé. Et donc, du coup, lorsqu'il porte en courroie, le bouclier est décalé. Faire très attention à ça aussi. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, j'ai mon dessin qui est incliné en fait. Voilà, c'est une erreur que font beaucoup de peintres, j'ai remarqué tout au long de mon parcours en expo. Et j'ai remarqué cette erreur. Ça m'a frappé de suite quand j'ai vu l'intérieur du bouclier avec la poignée. Je l'ai trouvé. Je me suis imaginé quand on l'attrape la poignée pour se protéger. Pour tenir le bouclier face à soi. Et en fait, du coup, le dessin est incliné. Alors, Rémi dit, il faut déjà savoir dessiner pour faire ça. Je vous avoue, je ne suis pas un grand, grand dessinateur, mais alors absolument pas. J'ai galère parfois lorsque je fais mes tableaux. Parce que j'ai des soucis de proportion, etc. Mais faut y aller. Faut y aller. J'ai une image à côté de moi qui montre les trucs. Et puis, en fait, le truc, c'est de pas dessiner de suite les détails. Là, vous voyez, dans le freehand, en blanc, j'ai dessiné l'ensemble des feuilles, mais on les voit pas une par une. Je les ai pas dessinées une par une. Si je dessine une par une, je vais forcément en faire une plus grosse, une plus petite, une décalée, puis c'est trop tard. Je ne pourrai plus décaler l'ensemble de mon dessin. Alors que si je fais juste le trait comme j'ai fait au début, etc., je peux encore décaler l'ensemble s'il est trop à droite, trop en haut, trop bas. Je vous lis un petit peu. Left House, le freehand est, je trouve, déjà chaud, alors pensez à ça. Mais il est vrai que c'est nécessaire pour un rendu parfait. Bah, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu par hasard, hein, en regardant la poignée. Ça m'a fait réagir ça m'a donné lieu à une réflexion, en fait. Mais c'est vraiment par hasard. Mika, ah oui, donc si tu n'avais pas collé tes pièces, tu ne serais pas venu. Matt a raison, au boucher. Au bûcher. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Matt? Matt, le poids du bouclier est simulé. Un épi. Un épi de maïs. Ah d'accord. Mika qui répond à Matt par rapport au bûcher. D'accord, j'avais pas suivi vos commentaires. Ça n'a rien à voir avec la peinture. Donc là, c'est un croissant de lune. Et en bas, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je crois que c'est. Je crois qu'il y a un taureau aussi, un petit taureau. Je sais plus. C'est vrai que j'ai pas pensé à mettre la photo référence en vidéo en parallèle. Salut Zesty.
Mika, le freehand, c'est sur la box art ou alors tu t'es renseigné historiquement par là? En fait, j'ai regardé sur YouTube, sur Google toutes les cohortes qu'il y avait, toutes les différences, etc. Et j'ai choisi celle qui me convenait le plus. Non, j'ai pas du tout choisi celle de la box art. Là, je pense que c'est un loup, puisque je pense que c'est un loup ouais, que je suis en train de faire et non pas un taureau. Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Alors Rémi qui me demande, il faut être précis et du premier coup quand même, JP. Et là, si tu avais loupé, comment aurais-tu fait? Étant donné que j'ai dit en début de vidéo que je ressortais plus ou moins les mêmes couleurs, si je m'étais loupé, j'aurais fait comme sur le fanion, c'est-à-dire j'aurais repris du rouge légèrement orangé et j'aurais corrigé, affiné les traits et corrigé les débordements en fait. Ce qui risque d'arriver, hein. Je risque peut-être de sortir du rouge, je ne me rappelle pas de la vidéo, mais peut-être que je vais sortir du rouge pour corriger. Vous voyez là ce que je fais, c'est que je continue à dessiner voilà, les contours. Ça se termine avec deux. Avec un lacet en fait, avec un nœud et deux lacets qui traînent. Je pense que. Alors, je pense que. Je vais me rendre compte que le loup, il est. Si vous voyez, il est légèrement incliné, il n'est pas droit. Et du coup, ça va répondre à ta question, Rémi, puisque je vais tout repasser en rouge au niveau du loup et je vais le refaire, parce qu'il n'est pas droit, il est incliné là. La lune, on a l'impression qu'elle est inclinée parce que c'est le coude qui cache le croissant de lune, mais elle est droite, mais par contre, le loup n'est pas droit. Serge qui dit, c'est le premier tuto d'un freehand que je vais voir de A jusqu'à Z, merci JP. Bah écoute, merci à toi et c'est tout simplement une vidéo qui était disponible sur le Patreon qu'il fallait payer en fait et je le rends gratuit sur YouTube. Je sais, ouais, je n'ai pas vu, j'ai pas vraiment regardé les autres vidéos des autres peintres, mais il me semble pas avoir vu de freehand de A à Z en temps réel autant d'heures puisqu'on a déjà passé quasiment 3 heures sur le fanion, et là on va passer 3 heures sur le bouclier, donc j'ai pas souvenir. Là, je fais les contours et je commence à dessiner feuille par feuille. Tout à fait, Nico. C'est un des trucs que tu essaies de retenir. Si erreur, pas grave. On reprend depuis la couche de peinture précédente ou plus. S'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. De toute manière, c'est pas que ça se passe mal, c'est que avec la peinture, on pose, on corrige, on pose, on corrige, on fait de la texture, on passe du filtre, on met les lumières, on repasse des filtres. Donc en fait, il faut pas prendre chaque étape individuellement en se disant, ah là j'ai fait une merde, je suis obligé de recorriger. Ça fait partie du processus. Là, je dessine les feuilles une par une maintenant, au-dessus de l'ensemble que j'avais prédisposé. Et vous verrez que peut-être à un moment donné, il y a une feuille qui va sortir et être plus en dehors de là où j'ai peint en blanc. Ou alors peut-être qu'elle va être plus à l'intérieur et je vais devoir corriger avec du rouge. Leptfaos, penses-tu qu'il ne serait pas plus simple de faire la base du freehand, de voir tout le freehand sur un bouclier juste basé? Ah, tu veux dire le rouge qui était le rouge précédent en couleur de base? C'est possible, on aurait pu et puis après on aurait travaillé le rouge avec le freehand tout autour. Ben imagine que tu es en train de construire une maison et que tu n'as pas encore placé le placo, le gainage, tu n'as pas mis les fils électriques, tu n'as pas tiré tout ça,
Et puis tu as ton collègue qui arrive et qui commence à mettre les faïences à la cuisine et les trucs fragiles en fait. Et là, ça va être chaud de faire des gros travaux à côté de choses délicates. Donc c'est pour ça que j'ai fini la base du bouclier pour pouvoir maintenant faire les choses délicates. Après, c'est pas une obligation. Il y en a que... Moi, je connais des peintres qui sont très très bons et qui vont commencer par les détails et finir par les grosses œuvres. Alors, j'arrive toujours pas à comprendre comment ils font, mais ils le font. Alors c'est pas tout à fait du noir, Pascal. Pascal il dit dessiner au noir sur du blanc. C'est pas tout à fait du noir, c'est du vert foncé. Donc j'ai dû mettre, j'ai pas regardé le mélange que j'ai fait, mais j'ai dû sûrement mettre du noir, du marron et du vert pour qu'il y ait une tendance verte quand même. On va dire que c'est les parties ombrées maximum qu'il y aura sur dans mon dessin et après je vais remonter en vert plus clair. Pascal qui dit la méthode BTP. Parle bien, ben oui. Salut Freeman. Leftaos qui dit, je sais par exemple que pour les décalcomanies, c'est conseillé de fonctionner sur une base seulement pour mieux intégrer au résultat final, d'où mon interrogation. Mais écoute, j'ai jamais utilisé décalcomanie, j'arrive pas à le dire, sauf quand je faisais des figurines pour le jeu, et encore, je pense que j'ai très rarement utilisé, si pour coller peut-être les numéros des joueurs de Blood Bowl, etc. Mais j'ai pas souvenir, c'était juste de la peinture de jeu, donc c'était pas le même rendu final, donc j'ai pas vraiment souvenir. Ouais, là je rajoute une dernière feuille. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, alors que je l'avais pas fait en. J'avais pas peint le blanc et je vais. Ah non, c'était non non c'est pas une feuille. Il me semble que il y a deux. Ouais voilà il y a deux petits traits comme ça qui sortent avec deux boules dorées qui vont sortir. Je sais plus vraiment. Salut Eric. Il y a des retardataires. Donc pour vous tous, si vous pouvez mettre un pouce bleu, s'il vous plaît. Et plus tard, mettre un commentaire. Ça référencera la vidéo pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui découvriront ces vidéos et nous rejoindront. Si j'avais fait ce que je suis en train de faire là en vert foncé, si je l'avais fait directement sans faire le blanc en sous-couche pour vérifier la position. À la bonne hauteur, les bonnes proportions, etc. C'était quasi sûr qu'il y aurait eu un décalage, parce que je l'ai déjà fait par expérience dans le passé, j'aurais commencé directement à faire ce vert foncé, et donc feuille par feuille, et j'aurais forcément décalé à un moment donné, il y aurait eu, soit j'arrivais trop près de la lune, du croissant de lune, et du coup mes dernières feuilles auraient été plus petites,
ou trop grande parce que j'aurais voulu corriger le décalage. Alors que là, avec le blanc, sans dessiner les détails des feuilles une à une, j'ai pu corriger les proportions et maintenant j'ai plus qu'à faire les feuilles à l'intérieur. Oui, comme dit Pascal, essayons de monter le nombre de commentaires, les gars. Ouais, ça serait vraiment sympa de rajouter un petit commentaire sans forcément dire quoi que ce soit dans le genre que vous dites là, juste vous marquer votre présence, quoi. Parce que plus il y a de commentaires, et apparemment plus la vidéo est référencée et remonte dans le pole position pour ceux qui ne nous connaissent pas. Salut Alexandre. Freeman. Avec mes maquettes, parfois il y a des figurines, je les peins avec de la peinture acrylique Tamiya et elles ressortent brillantes. Pourquoi? Alors, je ne connais pas les. Alors, d'abord, je parle de ce que je suis en train de faire sur la vidéo. Donc, j'ai pris du vert plus clair et je dessine l'intérieur pour enlever ce blanc en fait. Maintenant, j'ai plus besoin du blanc. Freeman, pourquoi ta peinture elle est brillante? Alors je ne connais pas les peintures Tamiya, disons que je les utilise pas. Et alors peut-être deux raisons qui me viennent en tête. C'est la première, peut-être ça vient de la peinture en elle-même. Sinon, souvent en figurine, on a tendance à passer une couche sur la couche précédente trop rapidement et on laisse pas vraiment l'acrylique sécher, même si elle sèche vite. On lui laisse pas le temps de sécher correctement. C'est-à-dire, on ne laisse pas quelques 30, 20, 30 secondes ou peut-être une minute à sécher, ce qui empêche la mattification de la peinture. Ça m'était arrivé à une période de ma vie avec des peintures classiques de peau Citadelle ou Prince Auguste, et j'avais réussi à rendre la peinture brillante. Pourquoi? Parce que je peignais trop épais et en même temps je passais trop une couche sur l'autre sans le temps de vraiment trop bien sécher. Ça peut être une des raisons. Alors après, je peux pas te le confirmer. Salut Paps. Pascal, y a-t-il des concours de friand dans le live? Ça serait chaud. Non, je n'ai jamais vu. Merci Matt. Et les pouces sur les commentaires des copains, plus de pouces, plus de commentaires, ça sera d'autant plus proposé par YouTube. Ouais. Zesty qui a le même problème que Freeman par rapport à la peinture brillante. Tu nous feras un retour, Freeman, quand tu repeindras, et tu laisseras. Ah, Pascal qui explique que la Tamiya, quand il y a marqué X, c'est brillant et XF, c'est mat. Alors, la Tamiya n'est pas de l'acrylique. Disons que c'est de l'acrylique qui un peu spécial. Ça dépend, Rémi, il y a deux sortes de Tamiya. Il y a la Tamiya qui se dilue à l'énamel et la Tamiya à l'acrylique. Il y en a. J'avoue que j'ai pas de Tamiya. La seule Tamiya que j'ai, ce sont les peintures transparentes. Parce que j'aime beaucoup les transparentes pour faire des effets dans l'eau, par exemple. Je peux utiliser pour faire des petites flaques d'eau très très légères. Enfin, je l'utilise très rarement, mais j'en ai.
Alors, Freeman qui dit qu'il sait, mais pour enfin, il sait par rapport aux peintures Tamiya qui sont pas vraiment le top pour la figurine. Pour le peu de figurines que je peins pour le moment, je ne voulais pas racheter de la peinture. Bref, je m'y mettrai vraiment. Merci les gars. Freeman, tu as des petits kits de peinture pas très chers. Tu vas sur Metal Model, ils vendent une dizaine, quinzaine de peintures en kit. C'est vraiment pas cher. Et tu as les couleurs de base Prince Auguste. Oui, Pascal, le vert de l'épi prend forme. Alors, oui, pourquoi je disais feuille de laurier, si c'est ça, je sais pas, je sais même pas ce que c'est. Voilà, je pose des lumières petit à petit sur ce vert. Salut Patrick. Salut Eric. T'as où l'état? Alors, il y a Rémi qui propose la Valero comme peinture. Valero, c'est en fait c'est le Prince Auguste, c'est exactement la Valero en fait. Ils ont racheté les. Enfin, c'est pour le marché français. Prince Auguste, c'est la Valero. C'est la même peinture qu'il y a dedans. Donc pour tous les retardataires, j'expliquais au début de cette vidéo que j'ai reçu mon matériel pour pouvoir faire des lives peinture. Donc on va pouvoir démarrer assez rapidement d'ailleurs. J'ai testé et ça marche. Donc je suis bien content. Et on va pouvoir bientôt démarrer. Dès qu'on aura fini le Vexillarus, là il nous reste deux dimages et deux dimages pour Obi-Wan Kenobi. On va pouvoir démarrer. Un jour une vidéo et un autre jour un live. J'essaierai de faire si possible un live par semaine, mais au mieux ça sera au pire ça sera un tous les 15 jours et au mieux ça sera un par semaine. Pour vous dire aussi que les kits, le lot de 4 figurines là, que j'ai proposé dans la vidéo, vous êtes beaucoup à l'avoir acheté, donc je vous remercie. On est nombreux à avoir les 4 figurines, donc ça va être sympa lorsqu'on démarrera tous ensemble. Faust qui dit après si tu n'aimes pas la brillance tu peux la casser avec du vernis mat. C'est ce que je disais dans une vidéo précédente. C'est une solution, mais le problème du vernis mat c'est que ça va tout rendre mat et uniforme. Et nous ce qu'on veut c'est jouer par moments sur certaines brillances, certaines trucs satinés par exemple. Moi j'aime bien tout ce qui est pierres précieuses, cuir et éventuellement métaux, que ça reste un peu brillant. Donc si je suis obligé de passer un vernis qui va tout matifier, je serai un peu dégoûté. Donc autant laisser de côté ces peintures-là et prendre des peintures. En fait, garder ces peintures à portée de main pour utiliser, si on veut les utiliser, utiliser leurs avantages qui font qu'elles sont brillantes. Donc en rajouter un peu dans certains mélanges quand on veut que la partie que l'on peint soit un peu plus satinée ou brillante.
Donc là, je continue à monter les éclaircies. Je m'occupe que des feuilles pour l'instant. À un moment donné, chaque feuille va être, je vais, en les éclaircissant, je vais devoir les séparer en deux, parce qu'au milieu, il y a la veine de chaque feuille. Donc, il va falloir que je commence à imaginer les éclaircies en séparant les feuilles en deux. Alors, Zesty qui dit, est-ce que mes feuilles n'assombrissent pas le bouclier? Pour l'instant, oui, mais je sais que je vais monter encore en éclaircie, donc j'ai pas de souci là-dessus. Tout à fait, Taouletta. Il faut faire. Vous peignez avec n'importe quoi pourvu que la peinture ne vous rebute pas. Ensuite, on s'accommode. En fait, c'est ça. Le plus important, c'est qu'on arrive à s'adapter. En arrivant à s'adapter, on comprend la texture et comment fonctionne la peinture. Là, par exemple, les tamias, il ne faut pas les jeter. Il faut juste se dire, bon, ben voilà, elles se mélangent avec un diluant propre à elles-mêmes. Et en plus, le rendu sera brillant ou satiné. Donc, si on le mélange avec des peintures qui sont mates, on peut jouer sur l'effet de brillance, etc. Là, comme je suis au détail sur la peinture de mes feuilles, il y a des feuilles que je grossis un peu. Là, je viens de voir, tout en vous lisant, je viens de voir que j'ai grossi une des feuilles, que je l'ai légèrement épaissie. Parce que je suis encore dans la correction de la vue d'ensemble en fait. Zesty, ok, ton travail n'est pas fini. C'est ça en fait, il faut pas se dire que le coup de pinceau que je mets là, c'est le coup final, ça y est, c'est fini. C'est une suite de progression. Mais c'est vrai que j'ai pas mis la photo référence sur laquelle je m'inspire. Donc du coup, pour l'instant, vous ne pouvez pas voir là où je vais. Je sais qu'il y a encore des lumières beaucoup plus fortes à mettre dessus. Merci Eric pour l'explication du fait que c'est vrai que le noir Andrea est beaucoup plus mat que celui de Valero ou de Prince Auguste. Faut-il avoir les deux? Non, on s'arrange car si on commence à vouloir toutes les couleurs, on devient esclave. Effectivement, on sait très bien que si notre noir n'est pas assez mat, ben on a un médium mat, ben on le rajoute. S'il est trop mat, on peut toujours utiliser un peu d'encre, etc. Enfin, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est d'avoir un ou deux noirs maximum et de les maîtriser. Un ou deux rouges maximum et de les maîtriser. Un ou deux jaunes maximum et de les maîtriser.
Et quand je parle de maîtriser, c'est de comprendre qu'en lui rajoutant telle ou telle couleur, ça donne telle ou telle teinte, etc. Et donc, du coup, on sait où on va. Ça permet, c'est pour ça que je dis, j'insiste à ce que vous fassiez vos propres nuanciers et tous ces trucs-là. Oui, c'est vrai, Eric. Ouais. Mais t'es pas le seul, hein. Il y en a plein, il y en a plein qui avaient un stock de ou qui ont un stock énorme de peinture. Et il y en a plein qui m'ont fait des retours où ils m'ont dit allez, je garde une quinzaine ou une vingtaine ou même une trentaine de pots, et le reste je le mets de côté, je les ressortirai plus tard. Pour l'instant, ils travaillent qu'avec une palette limitée. Ça va leur permettre de mieux progresser, en fait. Donc, si je comprends bien, il y a Left House. Hier soir, vous avez fait un live avec sûrement Hiro ou je sais pas qui. Et tu as poussé une gueulante par rapport au fait que. Et citant les noms des peintures Games Workshop plutôt que de parler en valeur tonale. Bien, c'est bien, tu vois la différence déjà. C'est vrai que les gens parlent souvent du nom d'une peinture plutôt que enfin, on se comprend. Je suis un peu perdu là. Tout à fait, Eric. Le fait de ne pas avoir trop de peinture, cela demande de connaître, et quand on ne connaît pas, on cherche. On essaie, et donc du coup on innove, on te trompe, on refait encore des essais, etc. Et du coup, ben, ça nous amène à dans des situations qu'on n'aurait pas forcément eues si on avait suivi une recette. Et là, non seulement on arrive dans des trucs d'innovation et d'essais complets, et en même temps d'une compréhension. Ah, c'est telle couleur et telle couleur, quand on la mélange, ça fait ça, etc. Et le fait de faire le nuancier soi-même nous permet de comprendre et de voir ce que donnent les mélanges. D'ailleurs, j'ai pas mal de gens dans le groupe de la tribu d'Anna qui ont posté leur nuancier et qui ont mis leur retour, qu'ils n'auraient jamais imaginé que telle couleur et telle couleur fassent tel mélange fasse rende telle couleur, etc. Mais tout à fait, Eric, c'est ça qui t'a fait progresser. Ça, c'est peut-être même le béaba de la progression, quoi.
Donc Leptaos qui nous continue à nous expliquer. Non, j'ai juste râlé, ok, il a râlé. Et car c'est lui apprendre un truc qu'il devra pour moi désapprendre à un moment, donc autant débuter de la bonne façon. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a des gens qui ont besoin de passer par ça. Et c'est comme, qui c'est qui disait ça? Ben Miles Davis, le trompettiste de jazz, qui disait, on met des mois à apprendre à jouer 1000 notes à la minute, et toute une vie pour épurer et ne jouer que les bonnes. Et épurer toutes ces 1000 notes qu'on a apprises pour rien. Mais j'ai l'impression qu'en peinture, c'est pareil. On a besoin de toute la gamme complète de peinture, de suivre un maximum de tutos, un maximum de recettes pour finalement après s'en débarrasser et faire son propre tuto soi-même et ses propres mélanges soi-même. Et pendant qu'on parle, les feuilles avancent. Vous voyez, les éclaircies avancent tranquillement. Pascal qui nous dit, on a tous commencé avec des kits de peinture spécialisés, je pense revendre les miennes sur eBay dans les semaines à venir. Et on est tous passés par là. Moi aussi, hein, j'ai acheté des kits de peinture spécialisés et suivi les recettes des autres et écouté quand on me disait, si tu veux faire telle couleur, il te faut telle couleur. Et de suite derrière, j'achetais. Et en fait, je m'en suis débarrassé rapidement aussi. Là, au fur et à mesure que j'éclaircis mes feuilles, le lining vert foncé que j'avais fait au début, j'essaie de le rendre le plus fin possible pour qu'on le voit presque plus, mais qu'il soit là, qu'il soit un soutien en fait, et pas trop marqué. Voilà, Pascal qui dit les feuilles prennent vie. Donc voilà, les détails, les lumières, je viens affiner le gros trait qu'on voit encore sur la partie où il y a la main et le bras. On voit que les traits sont encore trop épais et là, les traits s'affinent. Sinon, pour rebondir à Pascal qui va revendre dans les semaines à venir sur eBay ses kits, à un moment donné, les kits, je les avais carrément disloqués, c'est-à-dire que je les avais intégrés dans mes peintures classiques. Je les avais enlevés de leur petite boîte en tant que kit lui-même, quoi. Jean-Daniel, le nuancier est très important, le faire avec les couleurs que l'on a. Tout à fait. Tu peux acheter n'importe quel nuancier du commerce, il sera fait avec les couleurs que tu n'as pas. Et en plus, c'est imprimé et pas forcément rendu. Le rendu n'est pas exactement le même qu'au départ. Et en fait, il est intéressant théoriquement, mais dans la pratique, il n'est absolument pas intéressant. Et celui le meilleur des nuanciers que vous pourrez avoir, c'est celui que vous allez faire vous-même. Pour deux raisons, parce qu'il est fait avec vos couleurs que vous utilisez le plus, donc il peut pas vous tromper, c'est exactement le rendu que vous aurez en mélangeant vos propres couleurs, puisque vous le faites déjà avec vos propres couleurs. Et en plus, ça a comme avantage de vous discipliner et de vous permettre de comprendre des choses que vous auriez compris au bout de 50 ou 100 figurines que vous aurez peintes en expérimentant dessus et pas forcément aussi vite qu'en faisant le nuancier. Le nuancier, c'est un exercice redoutable pour comprendre comment réagissent les couleurs.
Zesty, cette semaine, beaucoup d'essais de mélange de couleurs pour obtenir une gamme de rouille. C'est hyper chaud, mais comme vous le dites, il faut essayer pour avoir sa propre expérience. C'est comme celui qui a inventé, c'est Edison qui a inventé l'ampoule. Il a fait énormément d'essais, il n'y arrivait pas. Et il y en a qui se moquaient de lui, ils disaient, ah, ça fait au moins 100 fois que tu essayes, tu n'y arrives pas. Il a dit, non, non, ça fait 100 fois que c'est 100 méthodes que je sais qui ne marchent pas, et à force, je vais trouver la bonne méthode. Bruno, quelle couleur tu as pris pour éclaircir? Alors, je t'avoue que je n'ai pas vraiment regardé, mais j'ai un vert foncé. Donc, le vert foncé, pour l'éclaircir, déjà à la base, il faut du blanc, mais il va être trop crayeux, donc je rajoute un peu d'ocre pour le rendre vert, avec un peu plus de chaleur jaune. Donc, il est éclairci au fur et à mesure avec du blanc et de l'ocre jaune, tout simplement. Tu vois, il n'y a pas grand-chose comme couleur pour l'instant. Il y a le blanc, le jaune, le marron, le vert et le noir. Donc là, voilà, tu vois, j'ai fait une base blanc et jaune, et je viens rajouter un peu de vert dedans. Alors, ça va être, tu vois, là, c'est vraiment les lumières ultimes. Il y a une pointe de vert. Et là, en mettant ces lumières quasi blanches, ocre et une pointe de vert, j'essaie de mettre l'accent sur certaines parties des feuilles en éclairci. C'est vraiment du dessin, c'est zénifiant. Ça repose bien, ça fait du bien de faire ce genre de truc. Surtout qu'au départ, c'était juste du blanc et légèrement pas bien défini. En fait, il faudrait que... Oui, c'est vrai, excuse-moi Bruno, que tu vois pas les couleurs, excuse-moi, ouais. J'ai tendance à oublier. En fait, la rouille, par exemple, si on veut... Il faut comprendre que on peut nous dire... marron rouge, ocre, par exemple, on peut dire jaune citron, ocre jaune, ocre d'or, qu'est-ce qu'on pourrait dire, jaune de Mars, tout ça, pour moi, c'est la famille des jaunes, c'est un jaune. Là, sur ma palette, j'ai de l'ocre jaune, mais pour moi, c'est le jaune. Je n'ai pas mis d'autres jaunes, donc c'est mon jaune. Si je veux chauffer le vert qui va devenir clair avec du blanc, mais qui va devenir froid et terne, je vais le réchauffer avec le jaune, et je m'en fiche que c'est du jaune ocre jaune et pas du jaune citron ou pas un autre jaune. Si j'avais un jaune plus puissant que ce ocre jaune, j'en aurais mis beaucoup moins. Là, je mets un peu plus d'ocre jaune parce qu'il est moins puissant que le jaune citron. Donc, en fait, c'est un rapport par rapport aux couleurs. C'est pour ça que le nuancier est très important. Et donc, pour en revenir à la rouille, moi, pour moi, c'est un rouge orangé. Un rouge orangé dans la famille des rouges orangés, mais qui est beaucoup plus terne qu'un rouge orangé vif. Donc après, une fois que je sais dans quelle famille de couleurs il est, je sais quelle est la prédominance dans les mélanges primaires. Donc je sais qu'il me faut plus de rouge et de jaune que du bleu, mais après il me faut trouver le bon pourcentage pour le rendre rouille. Ça paraît simple quand je le dis théoriquement comme ça, mais en fait c'est simple. C'est juste que, comme on n'a pas, je dis on parce que, pour pas dire vous, mais moi je l'ai, il y a encore des lacunes dans certains endroits, on a encore du mal à voir que, quel que soit le mélange que l'on veut obtenir ou qui existe, ce n'est qu'une somme totale à 100% des trois primaires. Légèrement modifiée avec du noir et du blanc. Donc,
Si on se réduit à ça, on peut obtenir toutes les couleurs que l'on veut. Merci Zesty et merci Leftavos. Donc si vous comprenez que quelle que soit la couleur sur votre palette, sur une figurine, sur n'importe quoi, elle n'est basée que d'un pourcentage qui au total fait 100% de bleu, de rouge et de jaune. On s'en fiche de savoir que c'est du jaune citron, du jaune ocre. Mon jaune ocre, c'est dedans, il y a un peu de bleu et un peu de rouge, mais un très très léger pourcentage. Donc en général, quand je cherche une couleur, si par exemple je cherche rouille, je sais que c'est dans la famille des oranges. Et donc il me faudra une proportion plus grande de rouge et de jaune à géométrie variable pour décider dans quelle partie je veux être de cet orangé. Et je vais le casser avec du bleu pour ne soit pas trop orange. Et à force, en faisant tous ces mélanges-là, je vais arriver à trouver une teinte qui va me plaire. Et de toute manière, la teinte rouille, il n'y en a pas qu'une, parce qu'il va falloir trouver non seulement la base, mais en plus les éclaircies, les ombres. Donc en fait, tous les mélanges de rouille qu'on va faire vont être bons et on va pouvoir les utiliser à un moment donné sur notre. Donc c'est pas important en fait. Ce qui va être le plus important, c'est la pose des lumières et la pose des ombres. Là, par exemple, mes feuilles, elles sont un peu trop blanches en termes de blafard. Je repasserai un jus par-dessus, légèrement verdâtre et ocre, pour réchauffer tout ça. Donc la couleur en elle-même de rouille n'est pas importante. Ça va être la position des ombres et des lumières qui vont rendre crédible votre couleur. Lefthouse, une bonne façon de faire, je trouve, est donc très personnelle et de ne pas hésiter à se poser quelque part pour observer et décomposer ce que l'on voit. Tout à fait. Vous prenez un café à une terrasse d'un café et vous voyez les gens passer, vous regardez comment réagissent les couleurs, en fonction de la lumière, de l'ombre portée, etc. Vous regardez, vous observez, vous vous promenez dans la nature, il faut observer tout le temps. Tout à fait, Zesty. Voilà, t'as trouvé. T'as compris le truc, en fait. Parce que. Alors, il y en a qui recherchent à tout prix la couleur parfaite de la rouille, par exemple. Mais après, du coup, ils l'ont trouvée et ils sont coincés parce qu'ils n'osent plus éclaircir, ils n'osent plus ombrer. Alors que tu prends tout un tas de mélanges de rouille que tu vas trouver, tout aussi différentes les unes des autres, et tu essaies de les utiliser quasi toutes sur la partie que tu veux peindre en rouille. Et tu vas voir que tous ces mélanges vont enrichir ton rendu final. Et en plus, tu vas pouvoir plus librement faire tes éclaircies. Parce que tu te dis, finalement, il n'y a pas qu'une seule teinte de rouille. Il y en a des milliers. Donc, c'est pas important. Ce qui va être important, c'est l'effet que tu vas poser avec tes lumières. Là, par exemple, mes feuilles, ça fonctionne parce que l'effet des lumières et des ombres fonctionne. Même si la couleur n'est pas exactement la vraie couleur que devrait être pour l'instant, c'est pas important. Avec des filtres, je vais remettre la bonne tonalité, la bonne couleur. Pour l'instant, ce qui m'importe, c'est le rendu visuel. Donc la rouille, c'est pareil. Si tu as les bonnes lumières, les bonnes ombres au bon endroit, ta rouille, à un moment donné, avec juste des filtres, tu vas mettre la bonne couleur. Alors que si tu prends le problème à l'envers, tu essaies de trouver la bonne couleur avant d'avoir les bonnes ombres, les bonnes lumières, tu vas te retrouver avec une peur de modifier ta rouille que tu as eu du mal à trouver, que tu es content d'avoir trouvé. Tu ne voudras plus en sortir. C'est le problème quand les gens, lorsqu'ils trouvent la bonne couleur de chair, ils ont une bonne base avec X mélange, ils ont trouvé une bonne base. Elle leur plaît tellement qu'ils n'osent plus l'éclaircir ou l'ombrer parce qu'ils sortent de leur teinte qu'ils auront créée et ça les bloque en fait. D'où
mon soutien inconditionnel aux valeurs tonales en premier lieu, donc valeurs tonales et lumière. Là, je ne m'occupe pas de la couleur exacte des feuilles, je m'occupe de l'effet, du rendu que ça va avoir, les lumières, comment ça va péter. Et une fois que le rendu est là, je n'ai plus qu'à mettre, on va dire, là où les bonnes couleurs, par-dessus. Ne t'inquiète pas, Zesty, tu dis toujours cette volonté, mais beaucoup de paramètres inconnus. Au fur et à mesure que tu vas progresser, avancer, tes paramètres inconnus vont devenir de plus en plus connus et il y en aura de moins en moins d'inconnus. Ne t'inquiète pas. Mais il faut que tu comprennes que tu es obligé de passer par là. On est tous passés par là. On est obligé de passer par là. Petite blague de Pascal. Merci Eric, bon dimanche à toi. Regarde la vidéo en replay comme beaucoup d'autres font. De toute manière, les vidéos restent en place. Et merci pour les dons. C'est comme je disais, effectivement, 1 euro, ça change rien pour vous, mais pour moi, ça me permet de continuer parce que voilà, j'ai eu pas mal de frais pour pouvoir permettre de faire les lives et pour proposer d'autres choses encore à venir. En tout cas, je profite de cette parenthèse pour dire que je regrette toujours pas la décision d'avoir basculé tout sur YouTube et sur la tribu de Dana. D'ailleurs, Eric, rejoins-nous sur la tribu de Dana. Tu vas voir, c'est vraiment vivant en ce moment. Il y a vraiment un super échange. Je regrette pas du tout d'avoir mis sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui font partie maintenant des habitués maintenant du chat, etc. Et ça crée une famille. Je suis vraiment content. Merci à vous. Tout à fait, Left House. C'est pas des centaines ni des milliers, mais des millions. Mais quelques dizaines de teintes différentes nous suffiront pour enrichir notre petite figurine. Là, je renforce quelques parties ombrées que j'ai perdues avec mes lumières. Donc, vous voyez, c'est comme je disais en début de vidéo, à un moment donné, on ne fait pas d'erreur en fait. On est tout le temps tout le processus de peinture, du début à la fin, n'est que pose de peinture, correction, pose de peinture, correction. Voilà, là, vous voyez, j'ai perdu quelques ombres profondes, mais je les récupère. Patrick qui s'en va, qui dit à bientôt. Donc tu regarderas en replay certainement. C'est ça, Matt, ombré pour retrouver plus de profondeur, de volume. En fait, je joue avec les ombres et les lumières pour donner des volumes et de la profondeur, tout à fait. C'est une.
C'est des corrections que je pose à chaque instant en fait. Donc là, au bout de ces deux tiges-là, ça fait comme une antenne, et ça fait deux petits fruits, je ne sais pas ce que c'est. Merci Zesty. Mais tu vois, Zesty, je ne serais pas arrivé à un rendu comme ça si j'avais d'entrée dessiné feuille par feuille. C'est vraiment important de comprendre que, ben, un peu comme la lune et le loup, c'est vraiment ben, un peu comme le Notan, juste avec deux couleurs. Là c'était qu'avec le blanc, donc j'ai dessiné le gabarit que donnait l'ensemble pour pouvoir le corriger. Et maintenant, je peux faire mes feuilles tranquillement. Bon, j'avoue que c'est pas facile là où il y a la main. Je sais qu'il y a beaucoup de peintres qui n'auraient pas collé le bouclier sur la figurine. Ils auraient peint le bouclier séparé. Moi, je l'avais collé parce que comme il y a l'avant-bras, et puis il y avait ça, il y avait aussi la peau de loup, etc. J'aurais galéré. Je n'aime pas peindre et après coller et devoir corriger la colle qui dépasse ou des trous, boucher des trous que des interstices. Je préfère faire ça avant et c'est pas ce petit challenge en plus qui va me bloquer pour faire mon freehand. Serge qui dit magnifique tes feuilles. On se croirait déjà au printemps. Alors là, à un moment donné, je veux renforcer les ombres. Et comme mes lumières verdâtres sont légèrement teintées d'ocre, de jaune, je vais légèrement teinter mes ombres de bleu. Jaune et bleu. Enfin, c'est pas tout à fait complémentaire, mais on n'est pas loin. J'ai besoin de plus de puissance dans les ombres. Alors non, je me trompe alors. Je pensais que j'allais faire des ombres plus profondes, mais je sais pas pourquoi je fais le bleu. C'est pour le. Excusez-moi, je pensais que le bleu, je l'aurais utilisé pour ombrer plus. Peut-être que je le ferai tout à l'heure, je ne sais pas. Mais des fois, parfois, je m'avance et à l'époque, je l'ai pas. Je le fais parce que je ne faisais pas. Je pensais que j'avais sorti le bleu pour renforcer un peu plus les ombres. Mais. En gros, c'est pas important parce que si je veux renforcer les ombres et utiliser du bleu, rien ne m'interdit de le faire. C'est pas important en fait. Comme je dis, la couleur n'est pas importante. Donc, je peux utiliser du bleu, du violet, pas vraiment important. Là, c'est juste que c'est pour rendre bleuté les ces sortes de lacets là. Je sais pas ce que c'est. Alors, Jarod qui dit. Alors, attends. Zesty qui. Question générale sur surface avec impact divers. Vous recherchez toujours à avoir les effets ombre-éclairage? Il faut que ce soit en harmonie avec le reste. Donc, il y a des endroits où tu vas être obligé de forcer les ombres et les lumières pour que ce soit en harmonie. Il y a des endroits où tu seras obligé de les atténuer. C'est en fonction de ce qu'il y a autour. Toujours pareil, c'est en fonction de l'ensemble de la figurine. Il faut voir la figurine dans son entièreté. Jarod, j'ai voulu rejoindre la tribu d'Anna. Alors, ça tombe bien que tu dis ça. Il y a deux, trois personnes qui ont fait une demande, mais comme je n'ai aucun ami en commun avec eux, je ne sais pas qui c'est. Et j'ai peur parfois que ce soit des gens d'Afrique ou j'en sais rien qui vont, une fois rentrés dans le groupe, ils vont mettre des publicités et saboter le tout. Donc je ne les accepte pas. Donc comme je ne reconnais pas effectivement Christophe Agré, je ne vois pas par rapport à Jarod, il faudrait qu'en parallèle, tu m'envoies un message privé
pour me dire que c'est que tu es un tel de par rapport à YouTube, et du coup j'accepterai l'invitation. Mais maintenant que tu as marqué Christophe à Agré, je regarderai si tu fais partie de ceux que j'ai pas voulu accepter encore. Donc j'espère que tu m'excuseras pour cette vigilance. Comme c'est un groupe fermé, j'ai pas envie d'accepter des gens qui ont rien à voir avec la peinture et qui vont nous vendre des téléphones ou des femmes nues. Même si je sais que ça intéresse certaines d'entre nous. Mais j'ai pas envie d'avoir ça dans la tribu d'Anna. Bon dimanche à toi, Freeman, et merci encore pour ton soutien et tes commentaires, même s'ils sont courts, au moins tu mets un commentaire à chaque fois. Merci à toi. Rémi, j'ai eu ton message que tu as envoyé tout à l'heure, j'ai pas répondu encore, je suis en live là. Ben merci. J'ai pas encore attaqué ta figurine, mais ouais, merci. Elle sera attaquée bientôt. Et n'hésitez pas aussi à me demander un ami sur Facebook, c'est JP Dana-Madge. Plus on est de fous, plus c'est sympa. Bon, là il reste 6 minutes, donc 6 minutes de vidéo. Ça coupera en plein milieu. Je ne pense pas que ce soit dans cette partie-là que je vais corriger l'orientation du loup. Vous voyez bien qu'il n'est pas droit, il est incliné. Ça, c'est une erreur que j'ai faite au début. Mais bon, donc la prochaine vidéo, on verra comment je le corrige. En remettant du rouge et en recommençant la position du loup un peu plus droite. Après, je ne sais pas vous, mais moi, quand je regardais, alors c'était sur les vidéos de peintres de tableaux, des fois je mets une vidéo et par exemple, si là le processus des feuilles vous intéresse, je vous invite à visionner cette partie-là 2, 3, 4, 6, 10 fois si nécessaire pour que ça s'intègre bien parce qu'en une fois, on zappe beaucoup d'informations et de détails. Et c'est pour ça que l'avantage des vidéos par rapport à un stage en live, ben c'est qu'on peut revisionner. Alors qu'en live, une fois qu'on s'en va, on ne peut pas revisionner. Et on ne conserve que même pas 10% de ce qu'on a appris. Là, j'intègre une encre jaune. L'encre, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est satinée et beaucoup plus puissante en pigment. Donc certainement, ce que je disais pour raviver les couleurs qui manquent, parce que mes feuilles sont un peu trop blanches et crayeuses, je rajoute ce jaune plus intense. Alors peut-être qu'il n'y a même quasiment pas de vert. Lefthouse qui nous propose un petit questionnaire. Mais ouais, j'ai vu ça sur certains forums, je ne sais pas comment faire. Donc je regarderai, pourquoi pas. Alors là, c'est pour éclaircir pas les feuilles, mais le blanc bleuté que j'ai fait tout à l'heure. C'est pour le rendre plus chaud par rapport au. À la base qui est froide, bleutée,
Donc les lumières vont être chaudes et jaunes. Bon dimanche à toi, Serge. D'accord, je ferai, Mika, je ferai le point sur les figurines qui me restent des lots de 4. Ouais, je ferai le. Alors, j'ai réussi à libérer un buste de plus parce que j'avais utilisé un buste à l'époque pour un stage. Il est déjà peint, mais je vais le ressoucoucher et le repeindre pour les lives. Donc, ça me permet de libérer un buste neuf pour l'un parmi vous. Parce qu'en fait, au départ, quand je vous ai promis que j'allais faire les lives sur ces 4 figurines que j'ai proposées en lot, ben j'en ai mis 4 de côté pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de mettre le buste de côté puisque je l'ai déjà. Donc, je l'ai déjà peint, mais comme la peinture elle est pas épaisse, je peux ressoucoucher par-dessus et le repeindre. Donc, ce n'est pas un problème. Et donc, j'ai un buste de plus. Donc, au lieu de me rester 2 bustes, comme j'avais dit la dernière fois, il m'en reste 3. Et après, il me reste. Je ferai le topo sur la tribu d'Anna. D'accord, Leftaos, je regarderai ça dans le gestionnaire. Vincent, l'encre se comporte. Ben en fait, si on l'utilise pure, elle est satinée. Donc, si on l'utilise avec mélangée dans la peinture, elle va rendre moins mate la peinture. Donc c'est le on a la, et les pigments sont beaucoup plus puissants et intenses, donc on a une couleur plus vive. Donc, il faut jongler avec les avantages de l'un et de l'autre. Donc là, il reste 50 secondes, donc ça va couper en plein milieu. Je suis désolé, ça va être frustrant, mais il nous restera une heure ou un peu plus de vidéo dimanche prochain pour finir ce freehand et la figurine et le décor. Merci Rémi. Voilà, la vidéo s'arrête là dans 5 secondes. Voilà. Donc je remets la photo du Vexi. Allez, je mets ma photo. On fait un petit débriefing. Voilà. Bon, c'était pas une vidéo très très longue aujourd'hui, ça va? Je continue à vous lire un petit peu et puis on fait un petit débriefing et puis je mettrai en place la vidéo 14 pour dimanche prochain. Je regarde un petit peu. Mais écoute, merci. En fait, Rémi m'a commandé la peinture de. Je sais pas si vous avez vu la vidéo test live, j'ai montré le gros barbare là, donc c'est Rémi qui me l'a commandé et en fait il m'a avancé les sous pour que je puisse acheter le matériel et donc il a payé la peinture, la figurine alors que j'ai pas commencé encore. Alors du coup je me sens un peu stressé. Non mais t'inquiète pas, tu l'auras dans des temps corrects. Leftao, si Mikan, tu n'as jamais vu les vidéos où les personnes font plusieurs dessins avec des bics reliés par des barres. Bah écoutez, merci pour vous. Merci pour tout.
Et je continue à vous lire en même temps. Bon, ok. À dimanche prochain, enfin déjà jeudi. Jeudi. Alors jeudi, ça va être intéressant avec Obi-Wan parce qu'on va attaquer le manteau, la partie 4, le manteau, et je fais de la texture de ouf. Enfin de ouf, c'est-à-dire j'y vais avec le pinceau comme ça, là, comme un malade. Et vraiment très 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 texturé à l'huile. Donc ça peut être intéressant. Donc rendez-vous jeudi à 21h. Et dimanche prochain à 10h pour la fin de notre free-end sur le bouclier. Je vais mettre la vidéo, je vais mettre le lien de suite. N'hésitez pas, n'oubliez pas les pouces en l'air, s'il vous plaît, c'est très important. Et laissez un commentaire. Alors Freeman, par exemple, lui, il met juste, dans son commentaire, il met juste des pouces et des clins d'œil. Et voilà, ça suffit. C'est juste manière que ce soit référencé. Donc comme ça, je mettrai les figurines qui restent. Exactement un nombre sur la tribu d'Anna pour ceux qui veulent en acheter. Et merci à vous et merci pour ceux qui font les dons, notamment Claudine qui n'était pas là aujourd'hui. Elle m'a fait un super don hier, comme ça, spontanément. Merci à elle et merci à vous tous. À très très bientôt. Restez pour la fin. Là, il y a dans la fin, je mets dorénavant dans la fin, il y a la photo où je suis comme ça. Alors, la photo où je suis comme ça avec la cascade derrière, c'est au Vietnam. C'est quand je suis allé rendre visite à Eric, Taouletta. Je suis allé faire un stage de peinture là-bas. Et après, on s'est fait des vacances. Bon, c'est une photo du Vietnam. Et derrière, il y a les photos de divers concours et stages de peinture que je fais sous fond de musique que j'ai écrite. Donc, merci à vous. À très bientôt. Bye bye.